Qu'est-ce que je suis encore en train de faire, YouTube? À quoi est-ce que je suis encore en train de jouer? Bah oui, je l'ai pas fait dans le bon sens. C'est pas grave. Bonjour, du coup, à toutes et à tous. Téléphone. Je sais pas, en ce moment, j'arrête pas de ressortir cette trace, ça m'énerve. Bonjour et bienvenue dans The Chef's Shift, un petit jeu. Nous allons vivre un véritable cauchemar en cuisine, bien sûr. Je viens de lire ce terme pour retenir votre attention. Nous allons jouer à un jeu... Je sais pas ce que c'est, encore une fois. Je sais pas ce qui se passe. Tapez commencer. Ah, il faut que je... Mais non! Oh, c'est un tuto direct. Alors, c'est un jeu, grosso modo, où il faut écrire des trucs sur son clavier, donc clairement un jeu qui déteste les dyslexiques. Si vous êtes dyslexique, vous méritez d'aller en prison d'après le développeur de ce jeu, visiblement. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas écrire, je suis là pour écrire pour vous. Putain, c'est un jeu où il faut tout écrire. C'est pas genre tu te déplaces avec des flèches, genre tu cliques. Non, non. Tu dois juste taper des putains de mots. Oh, il y a les accents. Oh, il y a les accents. Donc là, si je tape paramètres, je peux aller dans les paramètres du jeu. Ah, je peux changer la difficulté et tout. Ah putain, je peux. Mais non. Ah, ok, je peux utiliser mon clavier quand même. Putain, même pour changer le volume. Mais non, mais même pour changer le volume, il faut écrire un truc. Attendez. Mais non, c'est énorme. Putain, en vrai, c'est dingue. Putain, des idées. Les idées qu'ils ont eues. Oh là là. Allez, on y va. Alors, pour l'instant, c'est une démo. On ne sait pas encore où on va. Hein. D'accord? Guido, wishlist sur Steam. Oui, ouais, Guido. Oh. Le voleur. Lorenzo devient soudain un cuisinier. Ah ouais? Parce qu'avant, j'en étais pas un. Avant, j'étais un voleur, visiblement. Bon. Oh, la musique. Oh non. On a le droit de l'utiliser, cette musique? C'est dans des jeux vidéo? Je pensais que c'était uniquement réservé aux vidéos de l'un qui était racide. Mais non. Ouf, c'était une situation tendue. Je peux faire quoi? Ah oui. Heureusement que ces lieux me bougent toujours. Quoi qu'il en soit, j'aurais bien besoin de quelque chose à manger maintenant. Pourquoi on dirait Chef Michel? Pourquoi lui on dirait Chef Michel? C'est Chef Michel Dumas avec un chapeau. Bonjour Pizzaiolo, j'ai envie de me récompenser avec une pizza après une journée de travail parfaitement honnête. Alors une pizza pepperoni, s'il vous plaît. Très bien. Pizza pepperoni, tout de suite. Bien sûr, toujours des accents douteux ici. Allez, prenons une pause. Mais où est le pire? Super Mario! Ah là là, c'est décidément trop d'émotion. Merci beaucoup Daikenzo pour le tiers 2, incroyable. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis un sub message, mais c'est toujours avec du plaisir de le faire. Bah merci beaucoup, des gros bisous. Merci Daikenzo. Il peut pas être loin. On peut pas se permettre une autre pause café, Al. Ouais d'accord, mais est-ce que ton histoire d'équilibre entre travail et vie personnelle, Berto? Ah quoi? Ah oh putain, je... Ok, alors je sais lire, je sais écrire, mais pas lire par contre. Je vous lis juste, petite info. En plus, cet endroit sert de la bonne nourriture. Je le sais car je viens régulièrement. On dirait une conversation faite par ChatGPT. Ils sont déjà là! Changement de plan! Que faites-vous, monsieur? Restez calme, le livreur de pizza. Laissez-moi jeter un coup d'œil à sauver du chapeau. Attends, quoi? Parfait, je m'en occupe. Restez calme et faites-moi confiance. Livreur de pizza, ils arrivent. Attends, quoi? En fait, je joue Chef Michel qui vient de braquer... qui vient de braquer un magasin top. Non, mais ça me va, c'est top, en fait, cette histoire. Salut. Deux expressos, s'il vous plaît. Entendu, autre chose? Non, vous êtes nouveau ici. Oui, je viens de sortir de l'école culinaire. D'accord. Dis-moi, tu as déjà vu cet homme? Oh. Il est un peu stylé, quand même. Faut un numéro scream, I guess. Rechercher homme local. Rechercher dans ta région. Il me ressemble pas du tout. Je veux dire, je l'ai jamais rencontré. Jamais. Il y a l'air d'un manga. Quelle est son attraction? Bon, les trucs habituels. Vol à la tire, arnaque, ananas sur les pizzas... Et c'est pas si mauvais, ok? C'est pas si bon non plus. C'est pas si mauvais. Et bien sûr, le vol d'un collet précieux. Putain. Question. Est-ce que tous ces bruitages, etc. sont des placeholders pour la démo? Ou est-ce que le mec qui va faire le jeu à la fin va vraiment laisser tous ces bruitages ultra génériques? Toutes ces musiques bruitages libres de droit?
dans son jeu et n'a pas décidé de, genre, avoir de musique de bruitage, quoi. C'est la chose la plus inosse que j'ai jamais entendue de ma vie. Mettez-le derrière les barreaux, bon sang. Non, il va directement à la guillotine. Ah, on n'est pas en 2000... pas en 2024 dans le jeu, visiblement. Encore mieux. Ah, c'est le bavardage, mon partenaire et moi sommes pressés. Ah d'accord, donc Cappuccino arrive tout de suite. Il a dit expresso. Même moi, j'ai suivi l'histoire. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ah. Vous avez votre premier client. Quoi, eux, c'est pas des clients? Les flics, c'est pas les clients. Ils rentrent chez nous, ils se servent, ils boivent, et puis voilà, ils payent pas. C'est le... Putain, mais on dirait Jean-Pierre Pernaut, lui, là, maintenant que je regarde. Jean-Pierre Pernaut, qu'on embrasse, bien sûr. Bisous à lui. Salut, mon... Putain. Il est revenu dans ce jeu. Vous avez vos premiers clients. Attendez qu'il te commande. Oui. D'accord, je fais quoi? Hein? Ce client est prêt à commander quelque chose. Ah, d'accord, menu, ça voulait dire qu'il consulte le menu. Ok. Je devais livrer l'article, d'accord. Donc je sais qu'il veut un expresso. C'est le client le plus basique, ils payeront des pourboires normaux et auront une patience normale. Un expresso. Pour faire un expresso, vous pouvez simplement taper le mot au-dessus. Mais la quantité est limitée. Siècle. La banane du siècle. Ah putain, le mot change à chaque fois. C'est pas le même mot à chaque fois pour le même truc. Oh, ça rend fou. Pour remplir l'expresso, vous devez utiliser cette machine à café. C'est votre plateau. Vous pouvez y mettre plusieurs articles avant de le donner à votre client. Pas tout compris, mais ok. Oh, la petite musique, là, par contre. Et donc, là, je fais quoi, là? Je fais bruit. Ok. Ok, c'est bon. Ce client est prêt à payer. Prenez l'argent avant qu'il ne perde patience. Ah, putain. Je peux ne pas encaisser? Merde. Tapez le mot au-dessus de la caisse pour prendre l'argent. Oh, non. Oh là là. Oh, comment je vais certainement faire des conneries? Votre objectif pour ce niveau. Vous devez atteindre une étoile pour passer au niveau suivant. D'accord. Ok. Oh non, ils veulent plusieurs trucs. Oh, ça va être terrible cette histoire. Pour faire du tiramisu. Quoi, c'est un tiramisu ça? Alors, excusez-moi, mais... Je cuisine régulièrement. J'ai déjà été dans un restaurant italien. J'ai déjà été dans un kebab. Et dans aucun des deux endroits, un tiramisu à sa gueule. C'est juste un gâteau, frère. À deux doigts de me dire que une tarte à la fraise, c'est une pizza, le gars. D'accord, je pense que c'est la petite traduction. D'accord. Ok. Et là, il veut un cappuccino, donc c'est jeune. Quoi? Ah, je dois marquer 5 d'abord. Ok, et là, je fais quoi, là? Et quoi, mais je peux pas lui donner son cappuccino? Pourquoi je peux pas lui faire un cappuccino? Pourquoi je peux pas lui faire un putain de cappuccino? Ah, il faut d'abord que j'aille là-dedans. Il faut d'abord que j'aille dans la machine. D'accord. Oh. Ça va. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'user de l'IA pour des trucs. Bon. De toute façon, dans 5-10 ans, on se posera même plus la question, hein, les gars. Ce client est vieux. Il marche, commande et mange lentement. Mais ils ont une patience énorme. Oh tiens, d'accord. Ok, objet, du coup. Oh putain. Mais du coup, ça veut dire que vous aussi, il faut que vous suiviez ce qui se passe, quoi. Il veut quoi, le vieux? Vôtre! Ok, restez. Bien joué. Comment ça? Bande! Je bande actuellement. Merci pour l'argent, je bande. Putain, ils veulent du café. Du café, je suis un homme en colère. Voilà, comme ça je prends le tiramisu, je lui donne minute. Merde, j'ai mal écrit. Oh putain, il y a les accents circonflexes, ça c'est terrible. Relier. Ok, lui il veut quoi? Lui il veut un café aussi, voler. Papa! Ah, quel enfer. Ok, tomber. Oh, ça va rendre fou très vite. Nation. Visiblement, il faut payer pour la nation. Ok, c'est bon. Journée parfaite. Ok, le tuto est simple. Ça va avoir aucun sens plus tard, non? Ça va avoir aucun sens, genre dans 10 minutes. Vous allez juste m'entendre crier des mots random, non? Oh, ça va être terrible. C'est impressionnant, tu es un prodige. Laisse tomber, mon ami. Oh, je m'excuse de ne pas m'être présenté. Je m'appelle Guido, le fier propriétaire de cet établissement. Lorenzo, le plaisir est tout pour moi. Moi, c'est Chef Michel. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais garder ce chapeau un peu plus longtemps. Bien sûr, je veux dire, évidemment, mon resto n'est pas dans une très bonne situation. Tu sembles être exactement la personne dont nous avons besoin. Moi, quand un voleur fait bien mon travail... Ok.
Et c'est là que la démo s'arrête là et c'est décevant pour tout le monde. Continuez. Oula, quoi ? Temps de magasinage, c'est-à-dire. Hein ? Je peux modifier des trucs ? Vous pourriez conserver plus de café. Acheter pour 3 étoiles. Putain, les étoiles nous servent ! On peut pimper notre... Oh, on peut pimper notre truc ! Ok. je pourrais conserver plus de café. Non, ça va pour le moment. Bougie, ça sert à quoi, bougie ? Avec suffisamment de bougies, les clients ne dérangent pas d'attendre plus longtemps. Les clients ne dérangent pas. Ça a été traduit par un stagiaire. Hein. Certainement été traduit par réellement ChatGPT. Ok, friteuse. Ajouter un espace de friture supplémentaire. Ah quoi, je vais faire des frites ? Oh non. Ok, plante, ça fait quoi ? Certains disent qu'une plante d'intérieur fera fuir les rats. Pourquoi la plante d'intérieur, son logo, c'est un truc de friteuse ? Oula, ouais, c'est vraiment une démo, hein. Tapis, marcher plus vite. Okay, j'ai pas assez pour acheter un tapis. Et plateau ? Ajouter un plateau de plus, ok. Je pense que pour l'instant, ça va. Comment je fais pour jouer ? Comment je joue, là ? Ah, je vais peut-être terminer, juste. Ok. Oh. Ça rend fou. Mais non ! Où est-il, là ? J'aurais dû me remettre l'objet il y a une heure. Je suppose que je vais en prendre un rapide chez Guido. Salut, monsieur Guy. Ah, désolé, je pensais que vous étiez... Attendez... Signor Lorenzo ? Ah, c'est toi, signora... Sofia. Mais que diable fais-tu ici ? C'est ma dernière mission, tu vois. Mais si, de tous les endroits. Quelle coïncidence. Une coïncidence ? Peu importe, donc je suppose que tu as fait le travail. Je l'ai reçu, signorina. Voici vos bijoux précieux. Ah oui. Ah mon dieu, tu l'as fait. Putain, mais il est là, mais il s'est rhabillé depuis, lui. Lorenzo, désolé d'avoir fait attendre. Ah, permets-moi d'emprunter tes toilettes. Oh, c'est juste derrière moi. J'ai plus envie de faire des voix, ça me saoule. Ils ont toutes les mêmes voix, là. J'ai commencé à faire toutes les mêmes voix pour tous les persos, c'est chiant. La musique de l'inquiétera si tu en veux plus, là. Guido, mon bon ami. Désolé, il y avait quelque chose à faire. Je voulais te prévenir qu'un coursier viendra ici demain. Et je serai loin du restaurant. Il y a... mariage pour un membre de la famille. Je serai responsable pendant ton absence ? Oui, si cela ne te dérange pas. Oh, cela ne me dérange pas s'il y a un... bonus. Bonus ? Ah non, merde. Bonus, compris. Je te reverrai dans quelques jours. Au revoir. Attends. Quelques jours ? Eh oui, je vais devoir être... Oh là là. Ok, je suis en esprit. Je suis en moulin. Je prépare d'autres espresso. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Quoi ? Arancini ! Oh, j'ai jamais mangé d'arancini de ma vie. Si, une fois, et c'était pas si ouf. C'est des arancini industriels de merde. Enfin, je sais pas où je me mets. Aucune idée où je me mets, les gars. Je me mets... Putain, je me mets là. Parce que bon, en haut, il y a un petit indicateur quand même assez important. Je me mets là en attendant. Tac. On dirait des dango. Ouais. Non, mais là, ça ressemble à des arancini quand même. C'est juste qu'il y a 4 arancini les uns à côté des autres, quoi. Cette nourriture doit d'abord être cuite. Tapez le mot pour l'envoyer à la friteuse. Ah, c'est pour ça qu'on a une friteuse. Soirée. N'oublie pas de le prendre quand il est frit. Oh non. Oh non. Oh l'erreur. Pau. Quoi, mais laisse-moi. Snob, ils sont bruyants, utilisant tout en majuscule. Ont une faible patience, mais donnent de généraux pourboires. Va falloir que je parle en majuscule. Pau. Figue. Tiens. Bon appétit, mec. Ah oui, bien sûr, tu payes. Portez, vite. Sans. Putain, il faut vraiment que j'écris en majuscule. Ils veulent les arancini aussi. Merde, j'ai pas vu. Ça arrive, hein, ça arrive. Ok, faudra que je marque au centre. Ok, et maintenant... Ah oui, putain, ça marche. Oh, ça marche vraiment pas si je le fais en minuscule. Ok, je refais les arancini. Bah, visiblement, tout le monde veut que les arancini. C'est fini, le café. Y'a plus de café, c'est terminé. Oh, elle veut payer, vite. Allez. Allez, payez. Assez, bien sûr. Il en a assez, des arancini. Et il paye déjà. C'est rapide. Oh, il... Je les ai pas vus. Ok, classe, encore. Comment ça, je peux pas... Oh, merci.
Direct. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il veut lui là-bas? J'aurais dû préparer les Zanchini à l'avance. Ok, apportez, vite. Payer. Bah, il faut que j'écrive payer pour lui donner à manger, ça marche pas. Putain, moi je pensais que sur la démo, j'avais l'impression que... Merde. Sur la démo, j'avais un peu l'impression que les mots que nous... qu'on avait besoin de taper étaient en rapport avec les trucs qu'on fait, mais finalement, pas trop, hein. Terrible. Du coup, l'histoire est énorme pour l'instant. Bonsoir, Sinalina. Je suppose que vous avez fait le travail. Fait le quoi? Ah oui, 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 c'est fait. D'accord, donc, en ce qui concerne le paiement, le problème est... Je suis fâché. Comment ça? Mais vous portez des chaussures de designer? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis fâché. Écoutez, je vous retrouverai ici dans quelques jours. Je préparerai votre argent d'ici là. Et d'où viendra mon argent? Je tiendrai de mon cul. Ils me donneront ce que je veux, mais j'aurai besoin de quelques jours. Si vous le dites. Encore quelques jours, hein. Oh non, encore des gens! Service de livraison de colis, hein. Bon, l'estomac! Encore, Signorina, les toilettes seront toujours ouvertes pour vous. Top 1 des phrases d'amour à dire à quelqu'un qu'on aime. Mes toilettes seront toujours ouvertes. Salut, je suis Isabella du service de livraison. Je suis là pour récupérer un colis de Monsieur Guizzo. Pouvez-vous signer ici? Désolé, j'avance ce que vous trouvez. Votre colis est censé être livré demain. Monsieur. Viens voir un monsieur au nom de Guizzo. Je suppose que vous avez raison, désolé. Pas de problème. En fait, qu'est-ce qui se cache là-bas? Oh, elle, c'est une habituée, avec un drôle de problème à la vessie. Ah bon, d'accord, bah désolé d'avoir pris votre temps. L'histoire est assez énorme pour le moment. Résumé de l'histoire? Énorme! Merci. On comprend rien, mais c'est pas grave. C'est pas plus mal que ce soit que les mots au pif, ça force à se concentrer et évite la redondance. Oui, non, en vrai, oui. Ok. Pour l'instant, c'est ok. Pour l'instant, c'est easy. Alors, je vais pouvoir améliorer. Oh, va y avoir des pattes. On le voit là, va y avoir des pattes. Vers des pattes, est-ce que ça me fait plaisir? La réponse est non. On va mettre de la bougie pour qu'il puisse attendre plus longtemps. Et café, ça fait... Je veux mettre plus de... Je sais pas. Hein. En vrai, je sais pas si j'ai besoin de mettre plus de café, non? Alors que plante. Mais j'ai pas assez pour la plante. Et tapis, j'ai pas assez non plus. Piteuse. Je sais pas si j'ai vraiment... Si, en vrai. Si, vas-y. Hop, comme ça, je pourrais faire plusieurs arancini vu que tout le monde adore ça. Ça lui donne raison de colis cette fois-ci, je suis parfaitement à l'heure. Ah, content de vous revoir, signorina. La musique est nulle, voilà. Veuillez signer ici. C'est fait, merci. Et voici le colis. Faites attention, il est assez lourd. Ce n'est rien. T'as déjà joué à The Texorcist? Non. J'ai pas joué à beaucoup de jeux dans le genre où il faut taper des trucs, hein. Il n'y en a pas beaucoup en français, d'ailleurs. Bizarre, sachant qu'on a une langue avec des mots horribles. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Ne le dis à personne. Oui. Ce sont des drogues. Quoi? Pourquoi il raconte ça à une personne random qui connaît depuis 2 jours? Quoi? Quelle drogue? Ah, je t'ai eu. Ah, putain, le con. C'est probablement un nouvel ensemble de cuisine. Signor Lorenzo, s'il vous plaît, ne jouez pas avec mon cœur. Ah, d'accord. Alors, merci, Isabella. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream et qui nous regardent de chez eux. Je me suis de prendre un bon message après ça. Aucun rapport avec ce qui se passe pour l'instant dans le jeu. Mourir. Non, amour. C'est bon, je peux... Voilà, j'avais compris. Pour faire des pâtes, vous devez combiner les pâtes et la sauce. Merde, mais du coup, comme je l'ai déjà fait, ça marchait. Et prenez la sauce. Amour. Ok. Et du coup, c'est gagné. Du coup... Le rat volera votre nourriture, mais vous pouvez lui tirer dessus. Comment ça, lui tirer dessus? Avec un flingue? Le gars, le rat s'appelle Gars. Gars, oh là là! Gars, bim! Ah d'accord, il est mort tellement vite! Terme! Ah oui, comme c'est un riche, il faut l'écrire en majuscule, c'est vrai. Eh, camion, poète. Il veut quoi? Il veut venir? Et un café. Il faut que j'écrive droit pour le café, ok. Garçon avec la CD, bien sûr. Sinon, gare au con. Je vais commencer à faire des pattes, là. Hop là, je suis pas con. Et mourir, bien sûr.
Le rat a volé votre nourriture. Quoi? Mais il est où le... Mais pourquoi il y a autant de rats? Au secours. Produire, bien sûr. Ok, pour l'instant c'est bon. Casser, vite. Il faut que je refasse du café parce qu'il n'y en a plus. Espace, plus 4. Égale opposé. Comment je... Mais comment j'écris... Mais ils sont cons. Ils ont vraiment fait ça? Ils ont vraiment demandé le E majuscule? C'est débile? Cette touche n'existe pas en fait. Ils pensent vraiment qu'on a une touche E majuscule en France, eux. Ils... Je peux pas jouer. Ils sont trop cons. On va s'emmerder, hein. Comment je fais un E majuscule? Alt 144, non mais ça, personne sait faire ça. Bah non, ça marchera jamais. Et bah c'est top. Ça aura duré 5 minutes. Bah top. Bah là je vous avoue, je sais pas. Alt le plus 02 à 01. Non mais ça marche pas, ça existe pas ça. Ça va être chiant le fou. Du coup, il faut que je réessaye. Hein. Ça va être horrible. Je vous le dis, ça va être horrible. Du coup, attendez. Faut que je me le marque pour faire E. C'est Alt 020. Non, mais c'est une difficulté supplémentaire. Je vais me le marquer, vite fait. Là. L'angoisse. Lent putain de Goas. Allez, hein. On y va. Oh non, passé. Tiens. Ok. Vite. Je veux du ça. Hop. C'est déjà prêt. Ta gueule. Pluriel, bien sûr. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon appétit plutôt, mais ok. Jambes et bateau. Pour... Écoutez, je veux plus jamais avoir à faire ça, pitié. Il veut voler quoi, lui? Rien à voler, bim. Depuis. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Dis-moi que tu veux des arancini, mec. Tu veux pas d'arancini, t'es sûr? T'inquiète, jamais sur le plateau. Donner, bien sûr, sommeil. Plus, jambes. Siècle. Attends, c'est le E, accent grave. Non mais c'est pas possible. Ils ont vraiment fait une démo où ils se sont dit, tiens, bah, E majuscule, ça va passer, quoi. Ça va gêner personne, ça. Alt 200, ok. Ça marche pas. Ça marche pas. Me tuer. Ah. Ok, encore, voix. Non mais par contre, les souris, c'est pas possible. Les souris, c'est pas possible, vraiment. Il y en a une toutes les deux secondes. Mais je leur ai pas donné leurs pattes à ces connards. Là, j'ai le... Oiseau. Vite. Vite une fois... Je bute. Qu'est-ce qu'il veut? Moins. Je la cours. Lutte pour me faire payer. Il faut le trackbook. Oh là. Oh, en train de me rendre fou cette histoire. Homme, bien sûr. Et payez-moi, payez-moi. Ta gueule, la souris. Ok. Donc c'est Al0200 et Al0200. J'ai trop hâte de devoir faire un E accent circonflexe. En majuscule en tout cas, ça va être top.
C'est vraiment un enfer. C'est quand même dommage, hein. Vraiment, et... Donc il y a juste à pas faire les accents en majuscule, quoi. Faudra leur dire un jour, hein. Putain, mais il y a un personnage par cutscene, j'en peux plus. Comment ça va, les gars? Mon pote, ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Salut frère, je m'excuse, hein, mais nous sommes déjà sur le point de fermer. Je m'appelle Tony, Tony Macaroni, j'ai besoin de ton aide. Moi c'est Lorenzo, enchanté. D'accord Lorenzo, donc je cherche un collier. Et pas n'importe lequel. Il est fait le vrai diamant. Un collier de diamant? Désolé, j'en ai jamais entendu parler. Ni même eu. Encore moins touché, jamais. Vraiment? Je reconnais un menteur quand j'en vois. Tu en as l'odeur. Une dernière chance. Tu es en train de mentir ou c'est la vérité? Ah ouais. Ça c'est marrant ça. Je suis en train de mentir gros. La vérité. Le collier. Je... Ouais, je raconte des salades, laisse tomber. J'apprécie ton nom de toté, mon pote. Bon, je vais continuer à chercher. Et prie pour mon mariage, tu veux? Le collier, c'est pour ma fille, tu vois? Si, si, vais, et à la prochaine. Je parle très bien espagnol, bien sûr. Quelqu'un intéressant, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Non, probablement juste une coïncidence. Bon, pour l'instant, ça reste imperfect. Oh, oh là 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 là. Comment ça, il y a 4 nouveaux trucs à gauche, là? Comment ça, mon ref? Oh non. Alors, four, qu'est-ce que ça fait, four? Le four sera plus rapide et brûlera plus longtemps. Ça va bien? Non, 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 plante. Il fera fuir les rats. Merde, il me faut encore une étoile. Oh, vite, hein. Oh, vite, un nouveau niveau. Pour faire fuir les rats. Berto, quelle est la situation? Chut, je peux pas voir comment se déroule la transaction avec tout ton bruit. Ah d'accord, d'accord. J'ai entendu dire que tu prends un jour le congé demain. Ouais, y a un mariage pour mon frère éloigné. Attends, moi aussi, j'assiste à un mariage demain pour ma... sœur. Quelle coïncidence, hein, j'espère que tout se passera bien pour eux, d'accord? Ça, d'accord. À deux pizza pepperoni, bon appétit, monsieur. Merci, Lorenzo. Que faites-vous, tous les deux? On fait du tourisme, ouais, c'est ce que nous faisons. Je vois, puis-je me joindre à vous pour m'amuser? Je connais quelques fenêtres qui valent le coup d'œil depuis ici. Non, non, pas ce genre de choses. Nous apprécions simplement la nature. Peu importe ce qui vous fait plaisir, monsieur. Quoi qu'il en soit, comment se passe votre recherche du jeune homme que vous m'avez montré il y a quelques jours? Oh, ça, c'est en attente. Nous avons une tâche plus importante. Laquelle? Tu sais, juste l'habituel espionnage de quelques activités illégales. Traverser en dehors des passages piétons, ouais. Nous avons des rapports de traversée de rue illégales accrues dans la zone. Intéressant, et bien profitez de votre pizza. Ah, pour le coup, on n'était pas à fond sur les, sur la, sur l'histoire, là. Alors, elle veut quoi, elle? D'accord. Non! Quoi? Ah, quoi? Camion. Quoi, non? Le rabis, vite! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Faut lui faire une pizza, oh là là. La pizza est plus compliquée à faire. Vous devez combiner la pâte, la sauce tomate, le fromage et le pepperoni. Donc, là... K. Ni. O. La canillo. C'est chiant. N'oubliez pas de prendre la pizza avant qu'elle ne brûle. De toute façon, ça brûle plus vite. Ok. Et puis, ils veulent le café aussi! Non mais ça va! Ennemi. Votre plateau est plein, vous ne pouvez pas prendre d'autre nourriture. Vous pouvez supprimer la nourriture indésirable en appuyant sur tab plus un chiffre. Non. Go! Tiens. Hop, j'ai tué le rat en disant go, go, go! Vite, y'a plus de café. Ça veut quoi la vieille? Oh, racine, ça va. Pratique. Et sentir. Putain, y'a encore un rabu! Bam! Ok. Qu'est-ce que ça veut? Oh, y'a y a tellement de vieilles. Ok, la, ka, ni, o. Voilà, je le savais. Voilà. En attendant, voisin. Bien. Hop. Je vous donne déjà ça pour vous occuper. Toujours ça que le rat ne pourra pas me voler. Voilà, je le donne. Nickel. La, K, ni, O. Hop, hop,
Ça va, c'est les mêmes pour la pizza, finalement. Je... Vite. Vague, pour mon pognon. Là, hop. Corps. Comment ça, corps? Merde, j'ai pas vu, je t'ai pas vu à droite. La canio. Hop là, année. École. Genre. Il veut quoi, lui? Casse-toi. Allez, vite. Encore. Mais non! Moi, je voulais livrer la vieille. Pause. Qu'est-ce qui me manque, là? Pourquoi est-ce que je peux pas prendre... D'accord. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas prendre le... Ah, mais... C'est la pizza qui me manquait. Casse-toi! J'arrive avec votre pizza, les vieux, hein, c'est bon. De toute façon, vous êtes vieux, vous pouvez attendre comme il faut. Ah, ça m'en fout, toujours. Tout n'est pas giga clair, en vrai, hein. Tout n'est pas ultra clair tout le temps. Il veut quoi, lui? Qu'il a invité? Vous pouvez manger... C'est pas pour vous presser, messieurs lames, mais j'aimerais fermer. Quoi, mais... Merci. Bim, Laura. Ok, on est bon. La canio. Ah, je crois que le jeu avait pété un plomb. Ok, toi, viens. Ça vous dérange pas que je bute des rats avec un flingue, vous? C'est ok pour vous, visiblement. Putain. Bon. Que pensez pour l'instant? Ah là, la transaction est annulée. Quelle est la situation actuelle? Des coups de feu ont été tirés. Bah oui, sur des rats. J'ai tiré sur des rats, les gars. Ils sont 30 fusillades confirmées sur les lieux. Demande de renfort, terminé. Reçu, terminé. Bientôt. Je te couvre. J'ai cru qu'il allait lui tirer dessus. Je voulais faire à bientôt. Grosse trahison. Ok. Oh non. Non. Il y a deux nouveaux desserts. Ok. Alors, la plus importante à faire, bien sûr, plante. Ça y est, on a enfin acheté la plante. Merci. Merci à la nature pour les plantes. Ok. Renzo! Oh, mon bon ami policier, hier, quelle agitation, hein? En effet, c'est un véritable massacre entre les familles mafieuses. Les familles mafieuses? Oh, tu n'es pas d'ici? Les cinq cloches et l'eau des égouts. Oula. Elles ont autonomie dans ce quartier. Soupir. Moi, quand je soupire. Peu importe où tu regardes, cet endroit pourrait être sous leur contrôle. Même ce restaurant. Tu pourrais même en faire partie. Moi, mafioso? Oh non, non, je ne m'inscris jamais dans quelque chose d'aussi sinistre. Alors, à propos de ces familles mafieuses. Les cinq cloches, l'eau des égouts. C'est quoi ce... L'eau des égouts, ça me détruit comme nom. L'eau des égouts, c'est la deuxième plus grande famille mafieuse. La moins importante, si vous me le demandez. Ils avaient l'habitude d'avoir un réseau souterrain, c'était des sales cons. Ils peuvent faire passer n'importe quoi à Little Italy. Des armes, de la drogue, et ainsi de suite. Ils avaient l'habitude de régner sur la ville. Mais ces jours-ci, les cinq cloches s'en sortent mieux. Attendez. J'avais pas prévu autant parler dans le jeu, moi. L'eau des égouts. Je suis sûr que ça sonne mieux en VO. Bah... On espère pour eux, hein. Très intéressant, en effet. Alors, à propos de ces familles mafieuses. Les cinq... Bah... Ah, il faut que je fasse ça, oui. Les cinq cloches, ils gèrent le marché noir des objets volés, dont de ces eaux. Pourquoi cinq cloches? Cela a à voir avec une affaire dans Little Italy il y a quelques décennies. Leur première mission était de voler les cloches précieuses de notre église cathédrale. Intéressant. Je ne savais même pas que nous avions encore des familles mafieuses dans le jour. Oh, elles existent toujours, mais dans l'ombre. Voici votre colis de retour, monsieur. Appelez-moi Lorenzo. Que s'est-il passé, mon cher coursier? Je sais pas, ils veulent juste que ce soit envoyé et signé ici, s'il vous plaît. Je me suis l'aide de le faire savoir à mon ami Guido. Eh ben, si c'est pas la fidèle coursier de la ville, Isabella. La fidèle coursier. Dis pas coursière, du coup? Pas le droit. Ah, bonjour, monsieur le policier Berto. Comment se passe votre dernière affaire et où trouver la chose?
Oh, cette maudite affaire. Nous courions dans la rue. Nous l'avons presque attrapé, putain. C'est vraiment une fanfiction écrite par un enfant de 15 ans en français, c'est terrible. Mais cet enfoiré d'Al a tout à coup pensé qu'une pause café est plus importante que de poursuivre un voleur. Donc non, nous ne l'avons pas encore trouvé. Donnez un cri si vous le trouvez, d'accord? Ça ne se produira probablement pas, mais d'accord. Désolé de vous interrompre, mais est-ce que vous deux aimeriez commander nos farfales spéciales? Bien sûr, prenez-en-le pour moi, l'un d'eux est pour vous, Isabella. Ok, tiens, généreux, merci. Oh la vache. Bon, la traduction, elle fait mal, hein. Ok, il y a beaucoup plus de trucs à faire, je vais devenir fou. Oh, c'est un riche, ça. Qu'est-ce que tu veux, mec? Un commun. Ça va. Putain, il y a déjà des souris. J'ai mis des plantes, putain. Peau, ma et fil. C'est pas con, hein. Je les connais, hein. Je savais ce qu'ils allaient prendre. Hein. C'est les habitués. C'est pas vrai. Double. Vite. Perdu, aussi, également. Et force, bien sûr. On se fait payer. Ça arrive les Anchili. Soyez patients deux secondes. Force. Beaucoup sur la fin. Da. Vas-y, je fais déjà des pattes en avance. En espérant que ça... Oh, c'est qui, eux? C'est des mimes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne parlent pas en mots. Assurez-vous de savoir où se trouve le symbole sur votre clavier. Hein? Comment ça? Ah! Ah oui, en haut à gauche. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Attends, il faut que je fasse arrobase. Oh l'angoisse. Oh yeah, oui d'accord, il faut leur faire des emojis en fait. Oh putain les bâtards. Faut leur parler en emoji à ces bâtards. Oh la souris, casse-toi. Arrobase pour l'exclamation. Oh les... Ouais, c'est qui eux? Ils sont 14. Touriste, ils parlent dans une langue étrangère. Vous pouvez utiliser la touche tab pour voir comment la taper. Ah c'est drôle ça. La touche tab. Très bien, il veut quoi? Il veut un bien que. Putain, maintenant je dois faire des phrases, gros. Ok, yo. Rêvez, bien sûr. Bon appétit. Oh putain, faut faire des pattes! Vite. J'ai pas vu, en fait. Ha! Océan. Merde. Espadio! Il veut quoi, lui? Il veut un café, putain, enfin. J'ai cru que je devais revendre ma machine à café, là. Hein. Hop là, voilà. Bon bah merci les touristes. Bon ça va en vrai. Ça va pour l'instant. Oh là là. Mais c'est sûr c'est le chef de la mafia des 5 étoiles, le chef originel là. Le mec que j'ai devant moi là en plein milieu. Mon ami Guido, bienvenue de retour. Lorenzo, merci. Et mon autre bon ami policier, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sortions d'un mariage. J'espère que le mariage ne vous fera pas oublier mon bonus. Le mariage, c'est un désastre. Guido, il n'a pas besoin de le savoir. Il y a un fiche, Alberto. Le mariage était censé apporter la paix. Mais ce scélérat de marié. Bon, je vais t'arrêter là. Asseyons-nous, d'accord, quelque part de plus privé. Et calmons-nous, peut-être? D'accord, ça te va. Continue. Bien, où étais-je? Le mariage était censé apporter la paix. Mais ce scélérat de marié, il doit croire que tout ça n'est qu'un jeu, que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il pense en ne ramenant rien de valeur pour notre cher marié? Ou peut-être est-ce un piège, ça doit être ça. Ils ont l'intention d'apporter le chaos à l'Italie, en commençant par ce mariage rancunier. Hé, attention mon ami, tu exagères. Je suis désolé d'entendre ça, mais on peut parler de mon bonus? Lorenzo qui vraiment est passé de voleur à « je veux absolument travailler dans ce restaurant ». Et putain, ta gueule, Lorenzo! J'en ai rien à foutre! Tu peux partir, Lorenzo. Je vais m'occuper du nettoyage. D'accord. N'oublie pas mon bonus! Fermez vos gueules! Quelle vie. Alors, je pourrais améliorer le plateau, peut-être. Parce que j'ai plus beaucoup. Oh, il y a deux cafés!
Il y a deux cafés. Ça. Alors ça. Vers ça, je vais acheter un meilleur plateau. Je vais pas acheter ça. Café, peut-être que ce serait intéressant, vu qu'il y en a deux maintenant. Je m'en rends pas compte. Oh putain, non mais attendez. Il y a un nouveau café et il y a des nouveaux arancini. Ça va, tant qu'on n'a pas des accents en majuscules. C'est vrai que là, on n'en a pas re-eu. Dieu merci. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant. Là, on a 2 milliards de trucs, ça ne s'arrête jamais. Lorenzo! Ah, signorina Sofia, bienvenue au retour, là. Oh putain, je change d'accent toutes les deux secondes, ça me rend fou. Aujourd'hui est vraiment béni, car je vais être couvert d'argent par un ange. J'ai quelque chose d'encore mieux. Aussi de récompense. Il me rend le collier. Le collier? Attends, je pensais que tu en avais besoin. Il a rempli sa mission, tu peux le garder maintenant. Non, mais c'est pas cette voix-là, du coup. Il a rempli sa mission, tu peux le garder maintenant. Au moins, c'était pas lui. Eh bien, je vais pas me plaindre de ce que j'ai. Grazie, signora. Lorenzo! Et si nous partions loin de cet endroit? Loin de la ville animée, sans personne pour nous donner les ordres? Oh, signorina! Je pose juste la question, hein, c'est ton choix. Eh bien, ma chère Sofia, je pense que... Lorenzo, prête-moi tes oreilles. Aïe, si tu vois pas l'inconvénient, j'inspecterai les toilettes. Putain. Si on comprend rien, ça se passe. Anthony Macaroni, comment ça va? Je suis brisé, je te l'ai dit, brisé. C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie. Mais... Oh, s'il te plaît, pleure... Je ne pleure pas, C'est nous de là-bas. Je m'attache de fou au personnage, non. J'allais épouser la femme de mes rêves. Alors bien sûr, j'étais heureux. Nous sommes comme Roméo et Juliette avec toute la rivalité entre nos familles. Nous sommes censés briser la malédiction. Mais non, leur famille le bat de quelque chose de ridicule. Ils me rejettent simplement parce que je n'apporte pas le collier. Le collier? Oui, je l'avais sur moi. Mais ce voleur... Ce voleur? Oui, ce voleur! Le voleur! Oh, mamma mia, je suis vraiment à l'homme brisé! Je te réparerai tout de suite avec un espresso. C'est pour la maison. C'est pour la maison? C'est pour la maison! Oh, grazie mille, laisse tomber! Laisse-moi te raconter une autre histoire. Le gars n'en a plus rien à foutre. Le gars, from... From, je vais pleurer. Je vais le démarrer, c'est tant que tu... Tout. J'en ai rien à foutre. Vraiment, il y aurait. S'en va les couilles finalement. Au final, voilà. Bon, le collier finalement, il y a un espresso gratuit. Espresso gratuit égale vie de fou. Histoire de Tony Macaroni. C'est parti. Ah non. Ah merci. Ok, vite. Tirez comment. Je prépare des pattes d'avance. Quoi, il y a un mec en cosplay, il veut quoi? Ce client adore les dinosaures, mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que je lui ai demandé? Ah, il faut que je lui écrive des noms de dinosaures, du coup. Je viens de tuer une... Agrifus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ta gueule! Agrifus, mais qu'est-ce que... Qui a inventé ça? Oh non, des clowns! Ils veulent un avant... et un camp, bien sûr. Je vous donne ça très vite. Oh non, il y a encore un... encore une meuf cosplay! Elvite. Cheval. Ra-dodon. Putain, l'enfer. Elvite, virgule, pour l'exclamation, et merde. Ta gueule, le rat. Je suis en moula, t'es en esprit. Je refais un peu de ça. Oh, les étrangers, au bout du monde. Si différent. Viande. Ah mais putain, elle attend pour payer depuis tout à l'heure. Oh, des arancini, elle est... Encore un café, putain. Ta gueule, Laura! Coupe! Et vite, il me faut ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Des arancini croissants. Des arancini croissants. Affaire! Ok. Putain, mais personne veut des pâtes? Putain, je me suis fait chier à faire des pâtes en avance, personne en veut! Vite. Mononicus. Mononicus, ta mère, oui? Vite, mon argent, viande!
valeur. Il veut quoi, lui, il dit ? Saltazorus. Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il... Je t'en supplie. Degré. Oh. Objet vite. Pantidraco. Mais pourquoi ? Y'a la Japan Expo, là, ou pourquoi tout le monde est en putain de cosplay ? Superzo... Quoi ? Il m'a volé ! En fait, c'est trop chiant, quand tu te trompes, il part sur un autre nom. Superzorus, vite. Mais pourquoi il... C'est où le hashtag ? C'est où cette merde ? Oh, quel enfer. Page, vite. Moins, tirer. Tourneau. Vite, restez, vite. Ya yeah. Ils veulent des... Ils veulent des croissants chini. Oh, j'en peux plus. Oh, c'est stressant de fou. Personne à votre pizza, hein, vraiment. Ok. Allez, venez payer, les gars. Vous avez payé. Split d'unité. C'est une histoire de dignité. Voilà, c'est bon. Bon, je panique, mais je m'en sors très bien. Mais je panique, hein. Putain, il y a plus d'histoires que de jeux, j'en peux plus. C'est la Paris Manga, mais non. Arrêtez, c'est la Italie Manga. C'est ainsi que je suis le meilleur homme que je suis aujourd'hui. Pourquoi je suis tombé amoureux de lui? Je veux dire, tu l'as encore rien dit? Mais d'accord. J'ai envie de ta vie, mon ami. Haha, tu y arriveras un jour, Lorenzo. Sur ce, je vais partir. Bonne chance, ce manga. Merci beaucoup. Oh, Madonna! Quelle journée interminable! Putain, elle était en chiottes toute la journée. Toute la journée aux chiottes. Signorina! Lorenzo, es-tu parti? Tony, oui, il vient de partir. C'est pas au monsieur, son mariage a été gâché parce que sa partenaire ne l'aime pas. Merde, putain, je me suis trompé de personne. Eh ben tant mieux, je suis d'accord avec son choix. Juste parce qu'il l'aime ne signifie pas qu'elle ressente la même chose. Cela pourrait être vrai, mais comment le saurais-tu? Bien sûr, je le saurais, je... C'était elle la mariée. Appelle ça mon intuition. Elle est probablement un peu prête pour l'engagement, car sa liberté serait volée. Parles-tu de ta propre expérience? Mais non, non, j'ai jamais rêvé de tomber amoureuse, donc je ne saurais pas. Alors continue de rêver jusqu'à ce que ça arrive, signorina. Alors qu'en dis-tu? À propos de quoi? La fleur, mec. Signorina, je vois que vous êtes actuellement en détresse et que vous aimeriez aller quelque part dans de relaxant. Mais avec moi, vous le regretteriez, signorina. Avez-vous oublié que je suis juste un bon rien et l'homme part sous le pays? Toute ma vie, je l'ai gaspillé en étant un escroc et un menteur. Si vous m'emmenez, qu'est-ce qui m'empêcherait de vous dévaliser? Lorenzo, si ce que j'ai vu ces derniers jours est vrai, alors je pense que vous êtes un gentleman. Vous avez tué 53 rats à coups de pistolet. Vous avez des guidos. Écoutez vos clients et simplement donnez le meilleur de vous-même. Vous n'êtes pas si mal. Ah, j'apprécie cela, signorina. En tout cas, je prendrai des gâteaux, s'il vous plaît. Tout de suite. Top. C'est pas fini encore, putain, dingue. J'ai 6 étoiles, hein. Okay. Oh, y a plusieurs sauces différentes maintenant pour les pâtes, ok. Y a un ingrédient de plus pour les pizzas, va falloir gérer les ingrédients. Oh non. Ok. Ça va le faire. Pas de soucis, les gars. Qu'est-ce que je pourrais vouloir maintenant? J'améliorerais le four, hein. Putain, j'aurais pu améliorer le tapis, soit dit. Bon, c'est terrible. Salut, Extrême Griffe! Ça va, on est sur un jeu où il y a 75% de dialogue, 25% de gameplay, c'est assez top. Signorina, puis-je vous poser une question? Bien sûr, vas-y. Ce collier, qu'est-ce qu'il représente réellement? Le collier? Pourquoi vouliez-vous que je le vole en premier lieu? Est-ce que c'était le collier de son mec qu'elle voulait que son mariage capote? Pourquoi me le donner à moi en particulier? Lorenzo, sais-tu à quoi ça ressemble quand ton cœur ne t'appartient pas? Quand mon cœur n'est pas le mien? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu n'as pas ton mot à dire sur qui aimer, à cause des ingérences de notre famille. Ah, tu ne comprendrais pas. Ta famille? Oui, ma famille. Elle est stricte. Elle décide de qui sera mon partenaire et la musique a subitement changé. Je vois, mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est en quoi tout cela concerne le collier? Ça a à voir avec... Oh non! Service de livraison de colis.
J'ai la bonne chose. Attends, regarde ça. C'est un diamant? Quoi? Oh mio dio! Ça n'est rien, c'est juste... C'est un collier en plastique contrefait! Ah, à propos du colis, par ici s'il vous plaît. Le voilà. Là c'est le collier, un autre collier. Celui-ci est vraiment massif, je me demande ce qu'il y a cette fois. Si j'avais deviné, il est probablement rempli d'armes et d'alcool. D'accord, je comprends maintenant, clin d'œil. D'accord, alors, signe ici s'il vous plaît. Mon estimé partenaire Guido est vraiment un grand dépensier, n'est-ce pas? Eh bien c'est tout, je vais partir maintenant. Moi aussi alors. Attendez, je vous connais. Vous êtes celui qui aime jouer dans les toilettes. J'aimerais pas être décrit comme ça, hein, perso. J'aimerais pas être décrit comme celui qui aime jouer dans les toilettes. C'est pas le surnom que j'aimerais avoir dans ma vie. Oui, oui. Et comme c'est enfantin, on va bien s'entendre, ma sœur. Quoi, elle aime bien jouer dans les toilettes, elle aussi, Isabella? Putain, on comprend rien. C'est bien la traduction, hein. C'est une dame pipi, maintenant. Alors du coup, parliez-vous tous les deux? Je veux me joindre aussi. Ça n'est rien vraiment important, nous parlions simplement de sa vie amoureuse. Fascinant, alors je suis la bonne fille avec qui parler, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si je prends cette table, n'est-ce pas, Signor Lorenzo? Non, tout va bien, je vous laisse donc. Ah, Lorenzo. Alors, répétez tout depuis le début, mais pas pour moi. Hein. Merci. Ok, oh, j'ai trop de trucs, mec. Oh non, la convention manga n'est pas terminée. Je fais les pattes. Mais attention, des pattes au pesto. Ok, pas du tout ce qu'elle veut. Irritator. Ok, ça va. Bah, bim, ça dégage. Ah, heureusement que j'ai fait les plantes, hein. Oh putain, la Japan Expo est encore ouverte. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent? Vas-y, je fais les Arancini. Oh merde, c'est pas ça qu'il veut. Proche. Figure. Et les pastes. Micro-raptor. Putain, il veut les... Je veux pas qu'il meure. Colonne. Disparu. Tiens, moi, je vais lui donner un Unelagia. Da! Dégage. Unelagia. Et Eo-raptor. Tiens, Et toi, paye-moi. Bon, j'ai les Arancini. Mais pourquoi y'a que la Japan Expo, là? Oh! Ok, monde. Pays. Score. Étoile. Épaule. Passé. Avimimus. Quoi? Il m'a volé mes Arancini! C'est bon. Fenêtre, vite. J'arrive avec le café, madame. Présent, voilà. Une fleur, bien sûr. Bravo à tous. J'ai toujours des arancini. Personne ne veut des arancini, monsieur Nam? Vous voulez pas les arancini? Je t'expliquerai juste après, Extreme Grief. C'est compliqué pour que je joue. Ah, des arancini, merci. Il faut des pastas. Terme autre. Grosso modo, c'est... Il faut préparer les ingrédients. En tapant des mots. Et c'est... Ça rend fou. Ok, elle veut des énormes. Elle veut des... Énormes. Oh, vite. Voilà, nickel. Et il y a des rats qui arrivent et on leur tire dessus avec un flingue. Pour l'instant, je suis un maître. Vas-y, je vous fais les croissants. Je vais préparer une pizza aussi. Le E dans l'eau. Ils ont vraiment mis le E dans l'eau comme si c'était une touche de mon putain de... C'est vraiment des gros cons, hein, les devs de ce jeu. Hein. Excusez-moi de le dire. Hein. Excusez-moi de le putain de dire. Ils ont vraiment mis le E dans l'eau. Putain. T'inquiète, avez-vous de la street, si tu veux être banni, je peux le faire, y'a aucun souci. C'est un peu comme Pokémon Typing, je sais pas, j'ai jamais joué à Pokémon Typing, mais là le E dans l'eau, là c'est trop, là. Tac. Pas de soucis, c'est demandé si gentiment. Hop là. Tac. Je vais devenir fou. Bon, ça va que j'ai pas besoin de faire une pizza pour l'instant. Donc, c'est pas grave, on oublie tout. Oh, voilà. Alors, lui, il veut un voisin, un café, contre, et un canard. Putain, c'est vraiment éclaté. Vivre. Pitié, pas le pizza. Pas le pizza, Japan Expo, là. Ok. Lourd. Pleine.
et Ainiosaurus. Oh là là, gros. Bon, pour l'instant, ça reste quand même simple. Tiens, vraiment, c'est vraiment trop con, hein, le fait qu'ils aient mis des caractères. Ils ont traduit le jeu sans faire attention aux caractères, ça rend fou. Le E dans l'eau, c'est 0156. Oh la vache. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche, putain. 0, 1, 5, 6. Voilà, si jamais j'ai besoin un jour. Ça m'en fout. Merci. Hein. Merci pour ton temps, Isabella, j'ai beaucoup appris. De même, Sophia. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais aller aux toilettes. Encore? Comment ça fait attention? Il y a des pièges dans les chiottes? Oh bonjour monsieur, Sophia est une femme intéressante, tu sais. Vrai? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Elle m'a tout dit. Ses partenaires amoureux, sa famille, son mariage raté, sa marque préférée de brosse de toilette. C'est le plus important pour moi pour l'instant. C'est intéressant, quelle marque préfère-t-elle le plus? Je pense qu'il pose la mauvaise question. Dommage. Ses partenaires amoureux, bien sûr, putain. Alors, qui est son partenaire? Oh, elle te l'a pas dit. Puisque tu sais pas, je vais garder ça secret, clin d'œil. Bah top. Bah mariage alors. Attends, son mariage? Oui, son Lorenzo, Isabella, il y a la mauvaise nouvelle. Oh non, qu'est-ce que c'est, monsieur Guido? La pizzeria de Guido. Ferme ses portes pour de bon. La pizzeria où j'ai fait une pizza, pour l'instant. Quoi? Fermeture définitive? Pourquoi? C'est pas un jeu que je vais essayer, ça, je suis pas très rapide au clavier. Ah bah c'est pour vous entraîner, hein. Cet endroit n'est plus sûr, ça va bientôt être un champ de bataille ici. Nous allons donc tout emballer. Qu'est-ce que tu as de mon bonus? Nous allons donc tout emballer, déménager d'ici. Isabella, j'aimerais commander un service de déménagement demain. Vous comprenez, monsieur? Lorenzo, tu m'aideras à tout emballer. Si tu le dis, mon ami. Et mon bonus. Mais t'es sûr. Le fait qu'il n'y ait même pas le suite, c'est très drôle, ok. Putain, quand le jeu sera bien traduit et qu'il n'y aura pas des E dans l'eau, là, ce sera magnifique. Oh, ils ont ajouté une nouvelle patte. Ok, bon, c'est pas le pire. Ils ont ajouté une nouvelle patte. Ça me rend fou, hein, ce jeu, quand même. C'était trop bien, cette pizza, où je pouvais pas faire de pizza, bref. Qu'est-ce que je pourrais me mettre comme... Bah, le tapis. Bien sûr, j'achète le tapis pour pouvoir courir vite. J'achète les chaussures qui courent vite. Et c'est le dernier? Je pense qu'il en reste encore dedans. Bon bien, je vais emmener celui-ci jusqu'au camion maintenant. Merci Isabella. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce que c'est que ce camion dehors? Nous prévoyons de fermer la pizzeria de Guido. Fermer la pizzeria de Guido? Définitivement? Mais j'arrive pas à y croire. Mon restaurant le prix d'élection. C'était mon nouvel endroit préféré. Ouais, je prends mon café maintenant. Peut-être dans autre chose qu'une pizzeria, mais ok. Dans un truc de café, quoi. Je m'excuse, monsieur Tony. Permettez-moi de vous verser ce délicieux cappuccino. Cadeau de la maison. Dès qu'il a un cappuccino, ça y est, ça, sa vie est au summum. Lorenzo, tu sais toujours comment réconforter un homme à l'œil. Et qui avons-nous ici? Isabella, la meilleure livreuse, la fierté de Little Italy. Oh là là, merci beaucoup, monsieur Tony, vous êtes trop aimable. En parlant de livraison, je pourrais savoir quelque chose? Vous cherchez un certain objet? Eh bien oui. Est-ce que c'est ce que je pense? C'est un peu ça, laissez-moi d'abord porter ça au camion. Ah, d'accord, rappelez-vous. Lorenzo, nous reverrons un jour. La prochaine fois, c'est moi qui vous offrirai une surprise. Merci, signore, à la prochaine fois. Ah, faut pas promettre des trucs à Lorenzo, hein. Lorenzo, si on lui promet un bonus, il va en parler pendant les jours. Alors là, la surprise, on va l'attendre pendant 2 ans, hein. Oh, elle est vraiment célèbre ici. Même Tony la connaît. Je suppose qu'à Little Italy, tout le monde se connaît. Il y a quand même beaucoup de dinosaures à Little Italy, mais bon, ça après. Oh non, pas les clowns, pitié. Pitié, pas eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Des pâtes. Soins. Dents. Moi, quand je vais chez le dentiste, maintenant, ainsi
Evil. Oh, ta gueule, toi. Alors, point, parenthèse, slash. Oh non, encore des mimes. Ok. Faudrait que... Fin, port, O, cri. Oh, je fais une pizza au hasard. il faut que je fasse des pâtes. Fig, vague, ok. Et payer, valeur. Ta gueule, Laura. Il faut les croissants aussi. J'avais pas vu. Le second mec, j'arrive. Oh, l'angoisse de ce que je devais faire, de je devais écrire là. Odeur. L'odeur de la salle actuellement. Ah okay. Oh putain, ils veulent encore. Ils veulent encore des croissants. Ok, blanc. Relié. Avec chiffres. Et navire. Je vais devenir fou. Ordre, vite. Je dois donner qui à quoi là? Espoir, vite. Oh là là, j'en peux plus. Ya! Ça dégage. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut les croissants. J'en peux plus. Encore les croissants. Ça rend fou ce jeu. Vite, un café! Voilà, là commence à y avoir beaucoup de choses là. Non, vite. Non. Mais putain! Il faut des pastas. Oh, il y a trop de trucs. Bon, donne-moi, reste. Voilà, c'est bon, je peux les servir, les golemons là-bas. Ok. Au cas où. Étrange. Les termes. Tiens, rends-moi mes pattes! J'en peux plus. Vite besoin. Putain, il y a des clients, je les ai pas vus à droite. C'est ce qu'ils veulent, ils veulent des... Oh là là, l'enfer. Effet des pasta pesto. Ok. Arrobase. Et frère, après la Japan Expo, maintenant c'est la Clown Expo. Ils veulent quoi? Ils veulent les... Oh, je comprends rien. Ils veulent les arancini, ils veulent des pastas. Vite, ils veulent un café. C'est bon là, y'a tout? Hashtag. La gueule, Laura. Sois tranquille. Merde, faut faire des pâtes pour elle, j'avais pas vu. Sur le comptoir. Rire. Elle adore rire. Faut encore faire des pastas, putain. Jamais bleu. Et pause, visite. Merde, le E dans l'eau. Alt 0, 1, 5, 0. Mais gros, je... Putain, les rages, j'en peux plus. Ça marche plus. 0, 1, 5... Ah non, c'est 0, 1, 5, 6. Quelle connerie, putain. Quand il y aura plus de problèmes de traduction, ce jeu sera peut-être sympa. Ça me rend dingue, hein, ce jeu. En train de me rendre fou. Mais où est-ce derrière le colis? Il devrait être par ici. Trouvez ceci et l'emballe demain. Oh non. Oh les armes, oh les PNG. Oh bon ami Guido, que s'est-il passé? Rien, rien, absolument rien, j'ai nettoyé moi-même. Oh là là, ce sont des papiers joyeux. Ce sont... En quelques 38 spéciaux. Des revolvers... Et quelques 38 spéciaux des... Ah oui, d'accord. Des revolvers anciens. Exactement comme ceux que la mafia utilise. Lorenzo. Oui? Maintenant que tu as vu tout ça, tu ne peux pas partir. Guido, mon bon ami. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Qui es-tu vraiment? Nous ne sommes pas une entreprise légale, Lorenzo. Nous ne payons pas nos impôts. Nous ne déclarons rien à l'URSSAF. La pizzeria de Guido sert de couverture pour ma famille. Les eaux d'égout. Ah, c'est nous. Tu dois connaître notre rivalité avec les cinq cloches. Nous préparons à la guerre, Lorenzo. Et tu participeras à sécuriser mon restaurant. Actuellement, je suis en guerre contre les rats, moi, perso, mais ok. Ce n'est pas quelque chose que tu peux refuser. J'en veux plus de ce bruit de bout de piano, là. Alors, tu dormiras avec les poissons.
Mamma mia. D'accord, bon là je viens de me faire... je viens de me faire menacer d'une arme et là... Bravo. Bravo à tous, c'est énorme. Énorme. Félicitations. Bravo, 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 bravo. Moi quand je me fais braquer par un flingue... Je gagne énormément, voilà. Mais je gagne vraiment beaucoup. Et... C'est la fin de... C'est la fin de la démo, c'est bon? Non, c'est pas fini. J'ai l'impression que c'est une démo ou c'est le jeu complet là, j'en peux plus. Lorenzo, il est presque temps pour moi de rejoindre les autres. Dans une minute seulement, le premier coup de feu résonnera dans tout l'Italie. Souviens-toi de ce que j'ai dit hier et tu seras en sécurité. Oui mon ami, je protégerai cet endroit comme si ma vie en dépendait. Très bien Lorenzo, alors à plus tard. Que les chances soient toujours en ta faveur mon ami. On rappelle qu'au début on a braqué ce gars quand même. Hein. Lorenzo! Signorina, d'où venez-vous? Des toilettes. Attendez, vous avez été aux toilettes pendant combien de jours? Peu importe, ce qui compte, c'est nos vies. C'est notre seule chance de partir, Lorenzo. Rejoins-moi. Sophia, je m'allais bien, mais ce n'est pas possible. Rien ne t'empêche de partir. Il y a quelque chose. Si Guido découvre que je pars, je serai forcé de dormir avec les poissons. Et je n'aime pas les fruits de mer. Mais tu vas mourir! Tu ne vois pas ce qu'il y a dehors? C'est la guerre entre les eaux d'égout et les cinq cloches. Nous devons évacuer. La musique qui devient beaucoup trop forte. Il n'y a rien qui va dans cette démo. Laissez nos clients sans nourriture et sans sécurité. Et reste à toi, j'ai découvert ce que je vais faire ensuite. Je deviendrai le personnage principal de l'heure du chef TM. Je peux être un petit voleur, mais je ne suis pas lâche. La pizzeria de Guido est un refuge pour les gens. Et j'ai l'intention de le rester, même si cela me coûte la vie. Lorenzo, alors je t'attendrai. Merci, signorina. Bon, maintenant, il est temps pour moi de servir à manger et de sauver des vies. Bon, sauver des vies, peut-être pas, mais ok. Je pense que ça va être la dernière journée, ça va être horrible. Je fais plus de café au cas où. Oh non, non. Oh, pause. Alt, 0, 2, 0, 1. J'ai reçu. Ne faites plus jamais ça, les gars. Voilà, fin de la journée, les gars. Allô? Oula, 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 oula. Full hit, je lui donne ça d'abord. Je fais les arancini et je vais lui chercher son petit gâteau. Course, voilà. C'est chaud! Maintenant, pousse, bien sûr. Voilà. Hop, et ça dégage Laura. Je vais préparer ça là, des anchis et des croissants. Ok, personne n'en veut, je suis dépité. Oh putain de merde! Non mais non, non, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, il y a un mot avec deux accents sur... Non, c'est bon. C'est bon, elle va te faire enculer le jeu. C'est bon. A fait ça. En plus, il y a un rat qui va me voler un truc là. Bon alors. Maintenant, soleil. Il veut quoi? Il veut des ouest. Oh, puis laisse-moi tranquille. Ok. Maître organe. Avec feutre. Mourir. Moi tous les jours, hein, quand je joue à jeu. Ok. Je l'ai pas vu. Ok, il me faut du aider. Il me faut fait bébé. Oh ta gueule toi, Xo. Dégage. Vite. C'est horrible. Entrée, bien sûr. Battre. Vêtir. Laisse-moi tranquille. Putain, y'a que des riches là. Il m'a volé mes potes! Ça a pris. Ok, livre. Et pour l'instant, ça gère quand même. Hein. Il y a tous les putains de riches. Ok, il va en place. Il va en café. Merci.
Merci de ne pas mettre des accents. Oh putain, une pizza peu ou ni mot. Ok. À part pendant ce temps-là, je vais faire. Ça allait si vite. Du dégage. Ok, des arancini, ainsi. Avec des. Mince. Non, attends. Voilà, comme ça j'ai tout. Je vous refais à manger. Non, casse-toi le rat. J'attends que ce soit là. Voyage. Hop. Planète, c'est Alt 0202. Alt 0. Ok. Pourquoi ils ont mis des putains de riches? Arrêtez. Arrêtez d'être riche. Arrêtez d'être riche par pitié. Ok, Frodon. Voilà, putain, 412 sur 340. Alors qu'il y avait que des majuscules avec des accents, ça me rend fou. Oh là 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 là. Bon, t'as figure où il y aurait un E dans l'eau majuscule. Ah oh, putain, ouais. Putain, si ça s'était arrivé, je me serais pris une balle, je pense. C'est tout un spectacle dehors là. J'espère qu'aucune balle perdue ne tombe ici. J'espère que la démo se finit surtout. Hein. Cher ami Guido, tu es toujours en vie? Ah la merde, Lorenzo, tu n'es pas encore mort? Comment est la situation dehors, mon ami? Ne t'inquiète pas, Lorenzo, nous gagnons. Leurs attaques ne font pas le poids face à mes armes. Bon travail. Pouvons-nous parler de mon bonus? Laisse tomber. Puis-je au moins rentrer chez moi maintenant? Non, Lorenzo. Tu dois combattre, tu dois continuer à servir notre famille maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour toujours? Jusqu'à ton dernier souffle, au minimum. Je ne permettrai pas que ça arrive, Guido. Relâche Lorenzo immédiatement. Quoi? Mademoiselle Sophia? Que faites-vous ici? Ce n'est pas sûr. Je suis là pour régler les choses. Ça ne vaut pas la peine de participer à cette guerre utile. Nous devons arrêter ça. Mais c'est la faute des cinq cloches de ne pas vous avoir donné le collier. C'est la faute. La faute? Alors puis-je rentrer... Alors je peux rentrer chez moi maintenant? Lorenzo, je veux que tu surveilles cet endroit. J'accompagnerai mademoiselle Sophia chez elle. Mais... Ce n'est pas sûr ici, Sophia, partons. Pourquoi elle le suit? Et je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais au moins mes clients sont en sécurité et heureux. Il vaut vraiment mieux donner du bonheur plutôt que de le voler. Ok mec, mais... Elle se termine quand ta démo? Je peux me permettre cette remarque ou pas? Une démo, c'est pas censé être le jeu complet, gros. Tu as quel clavier? Un clavier. C'est pas un clavier le fou. Ça s'arrête pas, là. C'est ça. Le dernier jour, là. Après que tout soit accompli, la pizzeria de Guido partira pour de bon. Et vous aussi, monsieur. Vous allez nous quitter? Probablement, je ne sais pas. Vous avez rendu un bon service ici, monsieur. La musique! La musique est tellement forte! Allô? Vous avez rendu un bon service ici. Ce serait une... honte! Cela serait tellement... une honte! C'est honteux! Eh bien, pas de temps à perdre. Je vais terminer les choses ici. Oh putain, Jean-Pierre Pernaud, le flic! Lorenzo, j'ai entendu dire que l'endroit ferme. Vous êtes venu ici aussi vite que possible pour rendre hommage. Nous prendrons le plat spécial du jour, s'il vous plaît. Mes estimés amis policiers, merci pour votre fidélité. Notre plaisir. Lorenzo, j'ai entendu dire que cet endroit était un refuge pour les gens en fuite hier. Vous avez rendu un grand service à notre communauté. Et cela mérite une médaille. Merci, monsieur, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe ensuite, que va-t-il arriver à Little Italy? Little Italy va subir une brève période de reconstruction. Vous pouvez aider si vous le voulez, Lorenzo. Je fais les demandes mieux, monsieur. C'est l'esprit. Et je suis toujours curieux. Et la mafia? La mafia? Nous surveillons toujours leur prochain mouvement. Ce cessez-le-feu ne durera probablement pas longtemps. Il pourra même se terminer à tout moment. Ça suffit, bientôt. Maintenant, que diriez-vous, nous nous détendons un peu. Profitons simplement de cette paix tant qu'elle dure. Mais c'est pas fini. Je pensais que ça allait être là vraiment le dernier jour, ça finit. On arrête. Est-ce que c'est bon pour moi? Putain, c'est pas fini. Ah, ça y est, le retour. Le retour des touristes! Oh non, il y a le E dans l'eau pour refaire du café. Ok.
Le E dans l'eau, c'est 0, 1, 5, 6. Je le fais maintenant. Vert. Mais il va me voler quoi, gros? Y'a rien. Mais en fait, il me vole des ingrédients, carrément. Étoile. Apparemment, étoile était un mot étranger. Les clients, allô? No. Oh non, pas les mimes. Pas eux. Vous préférez les mimes ou les riches? Rivage. Il faut les arancini, direct. Et des pierres claires. Et elle veut quoi? Elle veut... espoir. Deux secondes. Arbas, point, tac. Ça dégage. Qui? Dégage. Et on lui fait des petits croissants, bien sûr. Putain, le prochain mot, c'est près d'eux. Copie. Et l'autre, bien sûr. Oh non, pas la Japan Expo, pas eux. Il me faut un café. Tube, objet. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et les rats, j'en veux plus. Il faut un café. Kotazorus. Casse-toi. Ok, on refait le café, il y en a plus assez. Mais gros! Il veut pas. Ah, ok. Je sais pourquoi il voulait pas. Ok, il y a les clients en haut, faut pas que je les oublie. Oh putain. Mais j'ai jamais appuyé sur ce mot. Verbe. Modèle. Aider. Et un petit vapeur, bien sûr. Disparu. Allez, ça dégage. Je refais des cafés au cas où. Je commence à le connaître. Le mi-marceau, qu'est-ce qu'il veut? Il va vouloir un café, lui. Ah non. Hop là. Il faut faire un smiley triste pour le servir. Putain, je les ai pas vus, eux. J'espère qu'ils sont pas là depuis longtemps. Marc. Ensuite, il faut copier. Et enfin, des dehors au score, bien sûr. Vous aimez bien les dehors au score, vous? Vous en mangez souvent? Oh, casse-toi, le rat. Oh non, il y a des riches. Pas eux. Oh putain, il faut faire 2000 arancini. Et les pastas, bien sûr. Proche, pierre. Système. Oh non, pas lui. Vie, haut et pause. Il faut refaire. Oh putain, je viens de voir qu'ils ont une putain de majuscule. Je vais devenir fou. Ok, c'est le Alt 0201. Alt 0201. Toile. C'est bon. C'est maîtrisé. Putain, encore des vieux. Il faut faire des pattes. Oh putain, il y a une pizza aux champignons. Ok, run, je, il, et putain, j'ai pété mon crâne, alt, 0, 156. Oh, casse-toi! Ok, pitié, ne demandez plus jamais de trucs aux champignons, c'est tout ce que je vous demande. Ça m'a fait perdre tellement de temps. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut chier? Pourquoi je peux rien faire? Je comprends pas pourquoi je peux pas prendre cloche, là. Chameau Zorus. Mais casse-toi, Laura, j'en veux plus. Oh, on me rend fou. Savoir! Je sais pas comment je me suis démerdé, mais je me suis démerdé, hein. Ce jeu, c'est genre anxiété le jeu officiel. Anxiété le jeu officiel. Oh, ça va être la scène finale, pitié. La caisse qui fait plan puis 3. Ah bah, petit message. Hein. Il a volé l'argent, mais oui, j'ai vu, il y a un moment, il m'a volé de l'argent, Laura. C'est bon, là. Est-ce que c'est de vie de le baiser? Tout le monde, puis-je avoir votre attention? Je suis le chef de la mafia, bisous. Comme vous le savez tous, c'est notre dernier service. Je tiens à vous remercier tous, de tous. Sans plus tarder, je déclare maintenant la fermeture de... Lorenzo! Oui?
Tony, mon ami, un peu enthousiaste aujourd'hui. Ne sommes-nous pas tous... Quoi ? Un peu enthousiaste aujourd'hui, ne sommes-nous pas tous... Si ça, ça n'a pas été traduit par ChatGPT, alors je sais pas ce que c'est. Oula. Bah c'est comme ça que tu me traites ? Enfin, je t'ai eu maintenant. N'y le pas loin. Attends, ralenti, mon ami. Il y a quand même deux flics devant toi. Le collier. Où l'as-tu mis ? Dans ton cul. Le collier ? Ne joue pas les idiots avec moi, Carazzo. La police, cet homme ici est le voleur. Bon, il a quand même un flingue dans les mains. Il n'a pas le droit d'appeler la police. Quoi ? Le collier ? C'est sur toi, Lorenzo ? Je suis désolé, Lorenzo. Mais tu es en état d'arrestation. Il y a zéro preuve, il n'y a rien. S'il te plaît, cours, Lorenzo. Hein ? Personne n'arrête mon cher ami Lorenzo. Guido ! Vas-y, le vieil homme. Oh putain, il sort le flingue de son nez, il est trop fort. Vas-y, le vieil homme, c'est un crime sérieux. Alberto, viens ici, aide-moi. Je suis désolé, Berto, mais... Personne du clan de l'eau d'égout ne mourra sous ma surveillance. Oh putain, le flic sous couverture. Putain, mais c'est tellement ridicule, là, les flingues qui sortent de nulle part. Quoi ? C'est la dernière fois aussi ? Eh bien, n'est-ce pas une coïncidence ? Je suis l'espion de la police d'élite des 5 cloches. Un pas en avant, Al. C'est quoi ça ? C'est une partie à mon gosse, hein, le délire. Eh bien, eh bien, eh bien. Tu fais une erreur, monsieur le policier. Toi aussi ? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas d'arme ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Berthaud, je me cible sur votre cher partenaire. Attendez. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas mafioso ? Alors je me révélerai ici. Toi aussi ? Je suis. Je ne suis en réalité rien. Juste un petit voleur. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Continuez, s'il vous plaît. C'est tellement drôle de penser que tout a commencé à cause d'un simple collier. Et vous tous sans savoir que le collier était devant nos yeux. Pathétique. Désolé, grande sœur. Comment ça, grande sœur ? C'est sa sœur maintenant ? Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, cette histoire. C'est qui le pathétique encore ? Je veux vraiment savoir. Oh. Signorina ! Sophia, c'est toi ? Mademoiselle Sophia ? Qu'est-ce que... Ma chère Sophia ! Pourquoi es-tu ici ? Tony, je sais que cela doit être choquant pour toi, mais c'est moi qui ai ordonné à Lorenzo de voler le collier. Quoi ? Mais pourquoi tu as mis une liaison entre le... entre avec un T alors qu'il n'y avait pas de T ? J'allais te le donner pendant le mariage. Saboter notre mariage a toujours été mon plan, Tony. Toi, ma petite... Lorenzo, encore à trois. D'accord. Trois. Mais non. Je trouve ça toujours aussi extraordinaire que ce truc arrive au pire moment. Félicitations, bravo. Vraiment. Bravo. C'est... Voilà, c'est... Forcément, c'est la fin. Oh là là. Thank you for playing. Mais quoi, ça veut dire quoi, ça ? 1, 54, 2, 92, 3, 113, 4, 221. Je comprends rien. Je comprends rien, ce qu'il me dit, gros. J'ai rien compris. Total, 480, voilà. Voilà, total, bravo. Putain, non, il y a vraiment la pub maintenant. Sur Twitch, incroyable. Bon, le jeu était quand même gaulerie. Mais il sera peut-être un peu plus gaulerie lorsqu'il sera bien traduit. Et qu'il n'y aura plus des accents majuscules, quoi. En anglais, t'as juste des lettres. En anglais, tu dois écrire des lettres. En français, tu dois résoudre des énigmes. Et faire des incantations vaudou pour écrire des trucs, quoi. C'est pas la même difficulté, quoi. En tout cas, c'était quand même un peu rigolo. C'est mignon. C'était un jeu mignon et rigolo, on va dire. Allez. Bisous YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé.
que je vais foutre ça sur YouTube, hein. Oui, sûrement, parce que c'est quand même drôle, putain. Quelle vie. Salut, mon pote.